Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Ma santé pour la vie. C'est un contexte complètement différent. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Eugénie. Je suis une coach santé. Je suis une directrice générale d'une petite fondation. Puis je suis une ex-journaliste qui s'intéresse depuis tout le temps à la santé. Et j'ai un balado qui s'appelle Ma santé pour la vie. J'ai contacté Eric. Je dis, Eric, j'aimerais ça que tu viennes parler de longévité. C'est un sujet qui m'intéresse depuis tout le temps. Alors, Eric m'a invité sur sa plateforme pour que je l'interviewe. Alors, voilà. Alors, là, je vais présenter Eric, qui est un docteur en biologie et un chercheur sur la longévité cellulaire, président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, auteur de 4 livres sur la longévité. A été pendant 10 ans le président du comité consultatif en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau de Québec, du Québec, membre nommé par le Conseil des ministres sur la communauté, sur l'éthique en sciences et en technologie, président de l'entreprise Idun Technologies, je ne savais pas si on prononçait à la française ou à l'anglaise, qui commercialise les produits Vitali, récipiendaire de 14 bourses et nombreux prix. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps à faire ta biographie parce que tu es engagé dans plein de choses le fun, plein de choses qui me passionnent. Mais tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour qu'on parle de longévité ensemble. Ah, ben merci Eugénie. Écoute, c'est un grand plaisir toujours de parler de longévité. Puis là, c'était une belle occasion aussi de permettre même à ma communauté de se joindre, en fait, hein, aux gens qui me suivent beaucoup, d'assister. C'est rare, là, ce soir, on va avoir un rôle complètement contraire à ce que je fais habituellement, là. C'est moi qui ai questionné, c'est pas moi qui questionne. Oui. Donc, ça Et va être ma intéressant. première question, on parle de longévité ce soir, c'est un sujet qui nous passionne tous les deux. Qu'est-ce que tu as mangé pour souper? Ah, c'est intéressant. En fait, ce soir, c'était des brochettes de poulet avec des légumes très variés. Donc, on parle à la fois des courges, des piments, des tomates, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait? Des oignons, des céleris. Donc, c'est une grosse assiette de légumes, finalement, avec un petit peu de poulet. OK, bon, un des secrets de longévité. OK. Avant de plonger dans le vif du sujet de la longévité, j'aimerais ça te demander, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça, ce sujet-là? Ah, écoute, j'ai toujours été un passionné de la vie, d'un point de vue biologique. Qu'est-ce qui fait le monde vivant en général? Fait que je me suis beaucoup intéressé même à l'environnement, à tous les organismes vivants en général. Ça a toujours été une passion. Puis la santé humaine, j'ai toujours pensé qu'on regardait les choses de la mauvaise façon au Québec, en fait, hein, qu'il n'y avait pas de place pour la prévention, qu'on attendait que les gens soient malades. Ça fait que j'ai eu un grand intérêt pour la prévention très tôt. Et quand j'ai réalisé, écoute, environ en 2010, là, il y a eu, entre 2000 et 2010, il y a eu un grand changement du point de vue de la biologie, de la compréhension qu'on avait du vieillissement, qui a attiré l'attention sur le fait qu'on allait être en mesure d'agir sur le vieillissement pour ralentir le processus. Et là, ça devenait évident qu'il y avait deux façons de le faire. Soit de vivre comme les gens des populations centenaires, c'est une chose. Et de l'autre côté, on est en train de découvrir des molécules qui vont augmenter nos chances de bien y parvenir. Et qui vont être, que l'impact va s'additionner, même va être additionnel, si on veut, à l'impact qu'on peut avoir par les saines habitudes de vie. Et donc, j'ai décidé à l'époque d'écrire sur le sujet, parce qu'on sait exactement comment vivent les gens des populations centenaires, c'est qu'on pourrait l'apprendre à la population. J'ai décidé à l'époque d'écrire sur le sujet d'un côté et de l'autre côté de l'ancienne entreprise qui allait faire de la recherche de pointe dans le domaine du vieillissement, parce que je pensais savoir comment faire pour les découvrir, les nouvelles molécules. Et puis j'avais raison, on en a découvert 21 nouveaux, des agents gérosuppresseurs avec l'Université Concordia. Donc, ce qui m'a amené à faire ça, c'est mon amour de la vie d'un côté, le fait que mon père était malade, j'étais très jeune, j'avais 15 ans à l'époque quand il a fait un AVC. Puis c'est dû à des mauvaises habitudes de vie. Mon père pourrait être encore en vie aujourd'hui. Tu sais, ça fait que moi, j'ai grandi avec l'idée qu'un jour, on va manquer de temps, soit pour nous, soit pour les gens qu'on aime. Donc, c'est vraiment dans l'idée, dans l'esprit de garder les gens en santé plus longtemps. Garder les gens en santé plus longtemps. C'est intéressant parce que tu parles des populations centenaires et de partager leurs secrets de longévité. Lorsque j'étais allée à Okinawa en 2006, c'était ça aussi mon intérêt premier. Tu sais, et c'est quoi leurs secrets? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre?
Vu que c'est toi l'expert, je vais te poser la question. Qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre, ces populations-là? Ah, écoute, il y a beaucoup de choses, mais avant tout, c'est un état d'esprit, hein, puis une personnalité très particulière. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire, l'état d'esprit anti-âgisme, entre autres? Non, c'est un type de personnalité. C'est des gens qui vont, croire à la vie, qui vont tenir à la vie à tout prix, qui vont être fondamentalement positifs. Maintenant, je le dis, les gens qui me demandent c'est quoi le facteur, parce que moi, j'ai restructuré, si on veut, ce qui était présenté dans les Blue Zones comme habitude de vie puis facteur de longévité des populations centenaires. Peut-être juste préciser c'est quoi les Blue Zones pour ceux et celles qui ne savent pas. C'est les pochettes de populations réparties un peu à travers le monde qui ont été étudiées par le National Geographic, des endroits où il y a beaucoup de centenaires. Bien, on peut le mentionner, c'est Okinawa, la Sardaigne, l'île de Sardaigne en Italie, Icaria en Grèce. Il y a une vallée, en fait, du Costa Rica et la région de Loma Linda en Californie. Oui. Oui, ouais, c'est ça. Et pourquoi qu'on parlait des Blue Zones, là? Ah, tu demandais, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Ils ont bien des choses à nous apprendre, mais si tu devais résumer. Avant tout. Je te disais qu'avant tout, l'état d'esprit, c'est que moi, j'ai regroupé toutes les facettes en quatre grands aspects. Il y en a deux qu'on parle beaucoup. La question d'alimentation, d'activité physique, on en entend beaucoup parler. La gestion du stress, d'anxiété, j'ai inclus là-dedans la qualité du sommeil. Puis le quatrième facteur que je juge le facteur le plus important, c'est la qualité de la vie sociale. Mais j'ai décrit un cinquième facteur qui est un facteur facilitant parce que ça facilite la mise en place de tout le reste. Et une chose qui... Puis le cinquième facteur facilitant, c'est le fait d'être fondamentalement positif, mais ça vient avec la personnalité des gens centenaires. Puis je te dirais qu'on s'est rendu compte justement que quand les gens sont comme ça, le reste s'implante en fait dans leurs habitudes de vie de facto. En fait, les gens qui sont fondamentalement positifs, ça se met en place. Et ce qui fait la grande réussite des gens centenaires, c'est qu'ils sont excellents dans tout. Donc là, souvent, ce que j'explique aux gens, puis bon, tu es une coach santé, on va en parler longtemps, c'est que les gens devraient, on devrait tous s'arrêter régulièrement à ces grandes facettes-là, se demander sur laquelle on peut faire le plus gros gain, l'améliorer, puis passer au suivant. Et considérer qu'on va toujours s'améliorer. Ça va être un processus tout au long de notre vie. En tant là, que tu viens de résumer à 95% mon rôle de coach santé. oui, c'est ça. Mais c'est que leur personnalité, en fait, je peux faire quelque chose, Eugénie, que tu vas trouver fascinant, sûrement, parce que je sais que tu as beaucoup aimé la personnalité des gens là-bas d'Okinawa que tu as rencontré. Il y a une chose que je mentionne en conférence qui fait toujours rire les gens, puis ça illustre très, très bien c'est quoi la personnalité des gens en question, c'est quoi le fait d'être fondamentalement positif. Quand on parle de personnalité des gens centenaires, là, c'est des gens qui sont consciencieux, sont ricaneurs, sont extravertis, sont capables de parler facilement de leurs émotions, sont agréables à vivre, c'est du monde qui sont efficaces aussi. Mais le fait d'être fondamentalement positif, souvent les gens ne comprennent pas jusqu'où ça va en tant que tel. Hein. C'est du monde qui vont même surévaluer à l'évaluation de leur état de santé, ils vont être surpositifs même par rapport à leur état de santé. Les études sur Okinawa, bon, tu as vu les frères Wilcox, là, ouais. Ça les a passionnés à l'époque justement de constater que ces gens-là, des fois, ils ne vont pas bien techniquement. Le médecin les évalue et il dit « Oui, mais vous n'allez pas bien. » Puis le monsieur « Oui, oui, je vais très, très bien. » C'est un peu le contrat de nous autres. Oui, mais ce n'est pas du déni. Hein. C'est pour eux autres, c'est profondément ancré. Mais ce que je voulais te dire, que je fais des fois en conférence pour l'imager, là, c'est que quand j'ai écrit mon premier livre, le chapitre sur les centenaires, je parlais de la personnalité, ça me sautait aux yeux à l'époque que mon arrière-grand-mère était comme ça. Moi, mon arrière-grand-mère est née en 1900. Fait que, t'imagines la dame qui avait vu la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je trouvais ça épatant j'allais dîner avec parfois au primaire, puis je lui posais des questions, puis comment ça va, grand-maman? Puis à un moment donné, elle m'avait répondu avec le ton d'un général de l'armée, là, « Ça va très bien, ça a toujours bien été, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. » Moi, le petit garçon du primaire, je regardais l'arrière-grand-mère, je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? » Mais en fait, parce que la dame, probablement, ça faisait déjà 8 ans que son mari était décédé, qu'elle s'occupait de la maison toute seule à 86 ans, t'imagines la chose? Tout le monde devait passer sur leur temps à lui demander comment ça va. Mais là, elle vient de me répondre dans la même phrase, exactement les trois éléments qui définissent des gens fondamentalement positifs.
C'est qu'ils ont un regard positif sur le passé, ils ont un regard positif sur le présent, puis ils sont confiants de l'avenir. Ça va très bien, ça a toujours bien été, je ne verrais pas quoi que ça changerait. J'ai une anecdote intéressante à raconter au sujet de justement sur ce point-là, Okinawa. Okinawa avait été avait eu une présence américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. La base, les Américains étaient très présents. Puis bon, il y a eu des dommages collatéraux comme à peu près toutes les guerres. Et ce qui m'avait frappé, les gens là-bas n'avaient aucun sentiment de haine, de vengeance ou d'envie de se venger. Puis là, on avait demandé, ma collègue et moi, on avait demandé, mais comment ça? Comment vous faites pour penser comme ça? Pas en vouloir aux autres. Dites-vous, dans votre monde judéo-chrétien, vous partez du principe que tout le monde est mauvais, pas besoin d'être réformé. Nous, on part du principe que tout le monde est bon, puis ça leur arrive parfois de commettre des erreurs. Bon, c'est très extrême comme exemple, là, mais ça m'avait frappé, cette réponse-là. Oui, puis écoute, ça les amène même à considérer qu'ils vont rester en santé et qu'ils vont vivre très longtemps. C'est ce qu'ils pensent profondément. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a une équipe d'une chercheure américaine, en fait, ben, il me semble, je ne suis pas sûr qu'elle est américaine, sais-tu, mais elle s'appelle Elena Karpinen, qui a étudié le phénomène dans la population en posant la question aux gens, vous pensez que vous allez vivre encore combien de temps? Puis c'est un suivi par la suite de 10 ans qui a démontré que ceux-là, il y avait des choix de réponse. C'était de réponse soit moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans ou plus de 10 ans. Mais le plus étonnant, là, c'est que 10 ans après, 70% des gens qui avaient répondu moins de 5 ans et moins, là, ou moins de 5 ans, sont décédés. Aïe, aïe! Tu avais encore 86% des individus qui avaient dit qu'ils allaient vivre plus de 10 ans, qui étaient encore en vie. Et c'est une réalité, en fait. Ils l'ont étudié dans d'autres situations avec des groupes encore plus gros. Là, on parle de 400 personnes. Là, il était de plus de 75 ans. Donc, c'est des gens quand même déjà avancés en âge. Mais ça démontre quand même que la confiance qu'on va continuer à vivre est extrêmement importante. Quand on arrive dans ces populations centenaires-là, ces gens-là sont tous comme ça. Oui, comme non, ça effectivement. OK. Puis là, tu m'amènes à un point intéressant parce que c'est une chose de vivre longtemps, mais c'en est une autre de vivre longtemps en santé. Ça m'avait frappé aussi à l'époque qu'en moyenne, les gens d'Okinawa passent moins de 2 ans malades avant de mourir, alors qu'ici, c'est 7-8 ans ou plus. Puis souvent là-bas, je me souviens, les chercheurs disaient, bien, les gens meurent de rien, ils meurent juste parce qu'ils sont vieux. Oui, bien, en fait, la première cause de mortalité à Okinawa, c'est la pneumonie. Ce n'est pas le cancer et les maladies cardiovasculaires. Mais c'est drôle parce que les chiffres que tu viens de donner, là, je t'ai dit quand on s'est parlé au téléphone déjà, que dépendamment de comment tu considères le fait d'être malade ou le fait d'être affecté par les maladies associées au vieillissement, la distance est encore plus importante. Je vais te le dire, tu vas comprendre. On a une moyenne, actuellement, là, les hommes, on a à peu près 80.5 hein, d'espérance de vie en moyenne au Canada, espérance de vie moyenne. Les femmes, vous êtes à 84 point quelque chose. Là. Mm-hmm. Et on va être affecté en Amérique du Nord pendant à peu près 15 ans des maladies associées au vieillissement. 15 ans? En moyenne, oui. Okay. Quand on parle d'être affecté des maladies associées au vieillissement, donc ça veut dire que c'est un impact suffisamment important pour que ça gêne notre capacité à profiter pleinement de la vie. C'est quoi les maladies associées au vieillissement, là, pour ceux et celles qui ne seraient pas... L'ostéoporose, le diabète de type 2, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la dégénérescence nerveuse de façon générale. Là, donc, c'est les maladies qui apparaissent avec l'âge. Et donc, en Amérique du Nord, c'est 15 ans en moyenne. Autrement dit, en moyenne, on va être affecté à partir de l'âge de 70 ans. Aïe, aïe. Dans les populations centenaires, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont atteindre l'âge de 100 ans chez les centenaires sans encore être ralentis ou affectés des maladies associées au vieillissement. C'est épatant, là. Ça fait 30 ans de différence. Hey, c'est quelque chose, je me souviens très bien, les gens de là-bas, 99 ans, faisaient du vélo, allaient travailler, jouaient au cricket, au golf, whatever. Tu sais, c'est comme, on voit qu'ils sont physiquement et mentalement alertes et bien. C'est des très bonnes capacités mentales aussi. Là. Il y a une histoire de l'île d'Icaria en Grèce, qui me semble que c'était Icaria, en fait, là, un chirurgien. C'est un monsieur de 95 ans. L'histoire raconte que le monsieur construisait une clôture pour aider son voisin qui avait besoin d'aide, en fait, là, pour refaire toute la clôture de son terrain.
puis qui a dû s'arrêter au courant de l'après-midi pour aller à l'hôpital, un monsieur de 95 ans, parce que c'est lui qui faisait l'opération. C'est un chirurgien. Il a été appelé à rentrer en renfort à l'hôpital, en fait, pour une opération. C'est un chirurgien qui avait encore la capacité d'opérer, en fait, à 95 ans. Mm-hmm. C'est épatant ce qu'on voit dans ces populations-là. Oui, non, tout à fait. OK. Bon, là, ça nous donne un peu le grand portrait de comment on peut vivre si on optimise notre santé. Là, on va rentrer dans le plus concret du concret. Là. On n'est pas à Okinawa, on n'est pas à Icaria non plus, on est au Québec ou en Amérique du Nord. C'est quoi le premier pas qu'on peut faire pour optimiser notre santé? Apprendre à se connaître. Parce que tout à l'heure, je disais en fait que sur le oui, puis ça fait partie de ta pratique comme coach santé. Tout à l'heure, je disais que sur moi, j'ai séparé en quatre grandes facettes les habitudes de vie. Je disais qu'on devrait avant tout essayer d'améliorer celles sur lesquelles on peut faire le plus gros gain. Mm-hmm. Mais ça sous-tend le fait qu'on est conscient de c'est quoi les facettes qu'on a améliorées. Mm-hmm. Fait que d'apprendre à se connaître avant tout, puis d'être honnête hein, par rapport à nos. Moi, je le dis souvent, là, le fait de s'améliorer sur toute la durée de notre vie, on part tous de des points différents. Moi, je viens d'une famille très pauvre au Lac-Saint-Jean. J'ai grandi avec de la boisson gazeuse. On mangeait de la viande trois fois par jour avec autre chose, beaucoup de patates, en fait. Donc, mon alimentation, là, ça a dû prendre 20 ans à arriver à où je suis rendu aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis allé graduellement. Puis aujourd'hui, de temps en temps, je change encore des choses. Entre autres, dans la chronobiologie, en fait, de quand je mange et qu'est-ce que je mange. Mm-hmm. Ça doit être moi qui sonne. Excusez-moi. Ouais, c'est... Combien je parle de ça? Ah! Donc, tu es en train de parler de chronobiologie. Peut-être qu'on pourra élaborer ce concept-là tantôt, le moment à lequel on mange. Oui, c'est ça. Mais avant tout, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître. Et puis, bon, comme je disais tout à l'heure, étant donné que dans les quatre grands facteurs, je considère que c'est la qualité de la vie sociale qui a le plus gros impact. Hein, on évalue qu'une personne vivant seule aurait 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. C'est énorme l'impact de la vie sociale de qualité. Puis, dans les gens des populations centenaires, comme les populations des Blue Zones, en fait, c'est toutes des populations tissées très serrées. Dans la qualité de la vie sociale, on peut même la subdiviser, là, parce qu'il y a tout l'aspect familial qui est souvent souligné, parce que souvent, les vrais amis, en fait, la vie sociale de qualité, on va l'avoir avec des membres de la famille. Souvent, ça va être ça. Il y a beaucoup de gens que des vrais amis n'en ont pas en dehors des membres de la famille, mais c'est correct aussi, ça peut être correct aussi en tant que tel. Mais de l'autre côté aussi, tu as l'engagement dans tout ça. C'est que ce que tu as vu quand tu es allé à Okinawa, c'est des gens engagés dans leur communauté. Fait que l'individualisme, là, ça n'existe pas beaucoup là-bas. En fait, c'est des gens très, très engagés dans la communauté. S'il y en a qui ont des problèmes, automatiquement, ils vont avoir de l'aide. Ils savent qu'ils sont supportés. Ça réduit de beaucoup, en fait, le stress, l'anxiété, la pression. C'est extrêmement important. Là, tu m'ouvres tout grand la porte pour parler du concept de Yoimaru au Japon, à Okinawa, que j'avais découvert, qui dit que chacun est responsable du bien-être de chacun. Puis là, un des centenaires interviewés m'avait donné un exemple. Il y a une vieille dame qui était veuve depuis quelques mois, puis elle n'avait pas beaucoup d'argent. Puis elle s'est mise à cuisiner des petits plats. Il dit c'était vraiment pas bon, c'était vraiment pas mangeable. Mais elle dit, on les achetait quand même parce qu'on savait qu'elle avait besoin de notre soutien pour rester autonome. Fait que, encore aujourd'hui, j'en parle, puis j'ai la chair de poule. C'est de permettre à l'autre de garder son autonomie, de garder sa dignité, de contribuer au bonheur des autres. Ouais, est-ce que la science est capable de l'expliquer? On le sait, là, t'en parles comme ça, mais comment est-ce que scientifiquement on peut l'expliquer? Non, écoute, c'est extrêmement difficile. Hein. Je te dirais que... Non, c'est extrêmement difficile, puis ça met en lien aussi même la question du bonheur. Tu as peut-être vu l'étude de Harvard. L'Université de Harvard avait eu la bonne idée de tuer des humains pendant 75 ans. Ils ont présenté les résultats sur le bonheur, mais l'idée était de documenter tout ce qu'on pourrait documenter d'une vie humaine. Mais ce qui était patent de cette étude-là, c'est que quand tu prends les données à reculons, tu te rends compte que tu aurais été capable de prédire tous ceux et celles qui allaient bien vieillir et qui allaient garder leur capacité mentale. C'est tous ceux et celles qui avaient une grande qualité de la vie sociale à l'âge de 50 ans. Là, la grande qualité de la vie sociale, en passant, la quantité d'amis Facebook, ça ne marche pas. Merci de le préciser. Donc, des vraies personnes avec qui on a des vrais liens.
Ben là, moi l'indicateur que je donne aux gens habituellement, c'est si vous parlez de vos émotions. Si vous avez beaucoup d'amis, mais vous ne parlez jamais de vos émotions, ce n'est pas de la vie sociale de qualité. Rappelez-vous là, que les centenaires sont des gens qui ont une grande capacité à parler des émotions. Très tôt dans notre vie même, une chose qu'on devrait faire avec nos enfants, nos jeunes, on devrait leur apprendre un vocabulaire très varié au niveau de l'expression des émotions, parce que ça a été démontré scientifiquement. Plus tu contrôles bien un vocabulaire très varié au niveau de l'expression des émotions, plus tu vas t'en servir, plus tu vas avoir tendance à exprimer tes émotions. C'est extrêmement bénéfique pour la santé. Mais pour revenir à ta question, c'est sûr que le fait, donc, d'un côté, d'alléger la gestion du stress, de l'anxiété par un support social, une appartenance, un sentiment d'accomplissement dans notre communauté. Mais de l'autre côté, tous ces bons liens sociaux-là nous rendent plus heureux. Fait que c'est sûr que les gens heureux, qui sont socialement très impliqués, supportés, moins stressés, sont plus en santé. Mais en même temps, ça, puis ce que j'explique souvent aussi, c'est que ça les garde actifs plus longtemps. Parce que généralement, la vie sociale va les garder plus actifs aussi en tant que tel. Mm-hmm. Ça amène beaucoup de facettes positives. OK. À Okinawa, un des facteurs, c'était la génétique. Puis j'aimerais ça que tu nous démystifies la génétique. Parce qu'on dit, souvent, on entend un discours un peu fataliste. Ouais, mais moi, dans ma famille, tout le monde souffre de maladies du cœur. Un tel a eu ci, un tel a eu ça. Fait que moi, je vais avoir la même chose. La génétique, en fait, quand on regarde la longévité de façon générale, les scientifiques s'entendent aujourd'hui que la génétique compterait pour à peu près 15 à 25 même de la longévité humaine. Donc, le 75 à 85 qui reste, c'est nos habitudes de vie. Et là, ce que je te disais là est encore même est relativement récent, parce que dans mon premier livre, j'avais marqué de 20 à 30 je suis quand même conservateur. Tu es conservateur parce que j'ai lu jusqu'à 10 %, moi. Ça se peut. Écoute, c'est qu'on se rend compte graduellement que la génétique a très peu d'impact en tant que tel. Il y a des gens chanceux qui ont une bonne génétique, c'est très rare. Parce que les facteurs génétiques qui vont vraiment amener un appui important. Puis là, moi, disons qu'on parle, si on va différencier deux choses, OK? Je vais faire une parenthèse. Les facteurs génétiques qui vont amener une facette positive là, importante, peu importe la culture des gens, il y en a très peu. Pourtant, ça a été très, très étudié. On a séquencé des génomes de super centenaires au complet pour se rendre compte qu'il y avait le même niveau de risque de maladie que le risque de la population, d'un côté. Et que les facteurs de risque vont s'exprimer ou pas, c'est nos habitudes de vie. Fait que dans la génétique, ce qu'il faut comprendre d'une façon assez simple, là, à l'âge adulte, en fait, là, on a 1,5 à 3 % de notre code génétique qui s'exprime. Le reste a servi, entre autres, à la croissance, mais la petite portion qui s'exprime est sélectionnée selon nos habitudes de vie. Fait qu'en fait, en génétique, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est lu. C'est comme une grande bibliothèque, puis c'est nos habitudes de vie qui dictent les livres qui vont être ouverts ou qui vont être lus, puis la fréquence à laquelle ils vont être lus. Donc, les livres, par exemple, qui portent sur les antioxydants vont être lus plus fréquemment pour les gens qui sont très actifs parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une production antioxydante plus élevée parce qu'ils produisent de l'oxydation par l'activité physique. Ça, c'est de l'épigénétique. J'aime ça, ton image. Ça me parle, c'est fort. Et de l'autre côté, en fait, l'autre parenthèse que je voulais te dire, puis ça, j'en parle jamais en conférence, en fait, quand je parle de génétique, mais c'est intéressant de le mentionner, c'est que tout à l'heure, je parlais de la personnalité des gens centenaires, là. Bien, les facteurs prédominants là, qui sont soit le fait d'être fondamentalement négatif, ça existe aussi si on appelle ça du neuroticisme, ou d'être fondamentalement positif, ont 40 à 45 % de prédominance génétique. Autrement dit, si tes parents étaient du monde fondamentalement positif, ça se peut que génétiquement tu naisses comme ça. Moi, je suis le même. Moi, je n'ai pas besoin de me forcer, je suis comme ça, ça vient tout seul. J'ai tendance à être tout le temps positif. C'est comme. Okay. Je suis chanceux. Fort probablement que c'est génétique dans mon cas, justement. Okay. Quand je te disais, quand on regarde froidement d'un point de vue scientifique, on se dit que la génétique va impacter là, peut-être 15 à 25 de la longévité humaine. D'un autre côté, si on mettait dans la balance la question d'évaluer la personnalité puis de tenir compte du fait que la personnalité, la génétique a un très gros impact au niveau du type de personnalité qu'on va développer, mais sauf que le problème avec ça, c'est la personnalité, elle vient-tu vraiment de ta génétique ou elle vient de comment tes parents étaient? Mm-hmm. Et de la famille, puis de la culture dans laquelle tu as grandi. Ça fait qu'on ne sera jamais capable de différencier les deux.
Mais admettons que tu considérais que les positifs, là, il est fondamentalement positif, ils sont de 40-45 % de génétique. Bien, ça, c'est un facteur génétique très important sur la longévité. OK. Ah, c'est intéressant. Une des choses aussi, tantôt, qu'on se parlait, puis un des points qu'on partageait tous les deux, c'est que tu insistais sur le fait qu'il n'est jamais trop tard. C'est même pour apprendre à être heureux, là, même pour apprendre à décider de bouger, même pour commencer à bien manger, il n'est jamais trop tard. Est-ce que vraiment notre corps, notre cerveau a cette résilience, cette capacité de se régénérer même si on attend? Ah oui, tout à fait. En fait, c'est épatant. Puis je te disais qu'il y a une étude qui vient de paraître cette année. Écoute, je pense que c'est au mois de janvier. Là. J'en ai parlé avec Isabelle Huot, justement, parce que c'est une étude sur la nutrition, la longévité, qui donnait l'impact en fonction de l'âge des gens de changer d'une mauvaise alimentation à une bonne alimentation, l'impact que ça pouvait avoir en années supplémentaires d'espérance de vie. Mais ce qui est frappant, en fait, là, c'est qu'une personne de 80 ans, ça rajoutait 3,4 ans d'espérance de vie. Un homme ou une femme, peu importe. Fait qu'un homme à 80 ans, l'espérance de vie moyenne là, est d'à peu près un an et demi. Mm-hmm. Si tu rajoutes 3 ans, tu viens de la doubler. Tu comprends? Mm-hmm. C'est intéressant. Mm-hmm. Une femme à 80 ans est à peu près de 4 ans et demi, son espérance de vie moyenne qui reste. Tu viens de rajouter 3 ans et demi, tu l'as quasiment doublé. Donc, c'était fort intéressant comme donnée, puis ça nous soulignait que non, effectivement, il n'est jamais trop tard, même pour l'alimentation. Donc, c'est sûr que c'est la même chose pour l'activité physique, c'est la même chose pour... il n'est jamais trop tard. On voit, biologiquement parlant, on voit des gens que les paramètres biologiques vont régresser. Autrement dit, c'est comme s'ils vont rajeunir. Parce qu'on peut prendre, on peut considérer l'âge chronologique qui est notre âge par rapport à la date de naissance, puis de l'autre côté, l'âge biologique qu'on est capable d'évaluer, qui dépend beaucoup, en fait, justement, de l'épigénétique, de qu'est-ce qui est lu dans notre génome, de la condition. J'ai déjà passé un test comme ça, c'était le fun. Continue. Ah oui, ça existe, mais oui, ça existe. Puis on s'en sert de plus en plus, en fait, pour faire des comparaisons, faire des évaluations. Puis grosso modo, on a montré, quand j'ai écrit mon premier livre, le sous-titre était... attends, pas me tromper, je l'ai dans mes mains. Allonger votre vie de 20 ans. Le 20 ans, là, c'était 20 ans de plus en santé parce que moi, j'estimais que c'était 20 ans la marge qu'on avait à gagner entre des mauvaises habitudes de vie puis des bonnes habitudes de vie, en fait, sur la période de temps de plus qu'on pourrait bénéficier en ayant nos capacités. Tu vois, patente? Mm-hmm. À la même époque, en fait, Walter Longo, qui est un chercheur dans le domaine du vieillissement, a publié un livre en 2016 aussi. Lui, il parlait de 30. Ben, il avait raison. Puis Dave Asprey est rendu à parler de 40 de plus. Ouais, fait que ça bouge beaucoup. En fait, il y a une étude, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, qui est tout récente, qui a montré une différence de l'âge biologique de 20 ans, de 30 ans, entre des gens qui ne prennent pas soin d'eux et des gens qui prennent soin d'eux dans la capacité, en fait, l'âge biologique de leurs cellules. Autrement dit, on trouve des gens dans la population à 60 ans qui n'ont pas pris soin d'eux, qui ont les capacités, le fonctionnement, en fait, d'une personne de 90 ans qui a pris soin d'elle. C'est patent. Il y a 30 ans de jeu. 30 ans de jeu. OK. Tu viens de parler de... Je vais faire une petite parenthèse. Tu viens de parler, entre autres, d'activité physique. Tantôt, tu me parlais aussi d'Alzheimer, de ce qu'on peut faire, parce qu'on a tous, toutes peur de l'Alzheimer. On ne veut pas finir comme ça. Je te laisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Plein de choses qu'on peut faire, mais le facteur numéro un, ce serait quoi d'après toi? Dans le domaine d'Alzheimer, en fait, c'est que l'Alzheimer, c'est fondamentalement une maladie inflammatoire et cardiovasculaire. C'est un peu drôle ce que je veux te dire là. Mais tous les facteurs qui ont un gros impact en maladie cardiovasculaire ont un gros impact dans la prévention, la réduction des risques de démence et d'Alzheimer. On sait, entre autres, que juste l'activité physique va réduire de 50 % les risques de démence et d'Alzheimer en vieillissant. Hey, 50 % c'est pas rien, là, c'est beaucoup. La saine alimentation, 55 %. OK. D'un point de vue scientifique, on ne s'entend pas sur le pourcentage maximum de réduction de risque d'Alzheimer ou de réduction du nombre de cas qu'on pourrait réussir à obtenir. Là. Mais une chose est sûre, là, c'est que si on regarde, par exemple, à Okinawa, ou au Japon, les données, je pense, ouais, viennent du Japon avant 1950, parce que les Japonais sont en train de s'américaniser. Aujourd'hui, les Japonais, malheureusement, ils mangent la pizza. Fait que, avant 1950, il y avait encore les mêmes genres de conditions de vie, là, on avait 7 fois moins de taux d'Alzheimer qu'aujourd'hui.
C'est sûr que cette donnée-là est un peu biaisée. On en diagnostiquait moins aussi parce que les méthodes de suivi n'étaient pas aussi avancées que ce qu'on a depuis les années 90. Mais une chose est sûre, c'est que c'est certain, c'est très, très clair que si on vivait comme les Japonais d'avant 1950 aujourd'hui, le taux d'Alzheimer qu'on a au Canada chuterait, mais drastiquement. Là. Mm-hmm. Sûrement de plus que la moitié, je suis convaincu. OK. C'est quelque chose qu'on peut prévenir. Okay. Il y en a, à Okinawa, il n'y en a pratiquement pas d'Alzheimer. Je sais pas si il n'y en a pratiquement pas. Il y a 3-4 fois moins de cancers, de maladies coronariennes. Effectivement, les cas de démence sont très rares là-bas. Mais les enfants, parce que j'étais allée aussi voir des enfants quand j'étais à Okinawa, et on leur montre à l'école en première, en deuxième, en troisième année quoi manger pour prendre soin de notre cerveau et de notre corps. Fait que, tu sais, ça commence jeune quand même, l'éducation là-bas. C'était fascinant de voir les jeunes avec les grosses chats. Ah, ben ça, il faut manger ça parce que c'est bon pour le cerveau. Tu sais, puis je pense que plus on est conscientisé jeune sur les choix qu'on peut faire, plus ça risque d'avoir un impact aussi. Ah oui, c'est sûr, ça c'est clair. Ouais. C'est très utile. Est-ce que plusieurs fois que tu nous parles de prendre soin de soi, des habitudes de vie, pour l'instant, là, c'est comme flou, c'est vague, là, on va y aller dans le plus concret. On commence où puis par quoi? Mettons qu'on choisit, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 habitudes de vie. C'est quoi des bonnes habitudes de vie? Comment est-ce qu'on définit une bonne habitude de vie? Ah, bien écoute, il y a beaucoup d'études qui ont regroupé les éléments qui ont les plus gros impacts sur la longévité, qui ont souligné des facettes aussi simples des fois que d'être assis moins que 8 heures par jour. C'est quand même intéressant quand on y pense. Toutes les années, la question d'activité physique, là, c'est parce qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est d'aller au gym 3 fois par semaine, c'est pas ça du tout. Ils n'ont pas de gym à Okinawa non plus. Hein. Tu n'as pas vu personne là-bas qui faisait du vélo stationnaire. J'explique souvent que, tu sais, moi, je suis les études qui ont des impacts sur la longévité depuis des années. Hein, et puis souvent, je vois passer des affaires farfelues, comme à un moment donné, j'ai vu passer un lien entre le fait de planter des fleurs, en fait, puis la longévité humaine. Là, il y avait une augmentation de 3 ou 4 ans d'espérance de vie. Ça n'a rien à voir avec les fleurs. Bon, c'est bon, moi, je prends des fleurs. Mais les fleurs, ça crée du bonheur quand même. Oui, c'est que ça fait que les gens, ils restent actifs, ils s'occupent de leur parterre, ils sortent dehors, en fait. Mm-hmm. C'est que les habitudes de vie, il faut le voir comme étant une routine. Ça nous prend des routines quotidiennes qui vont faire en sorte que pour nous autres, ça va de soi. On va se mettre à être plus actifs, on va sortir à l'extérieur, on va bouger un peu. Ce que je dis aux gens, quand on bouge, pensez à bouger suffisamment pour créer une augmentation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque. Ça a déjà un bénéfice. Mm-hmm. Ça peut être aussi niaiseux que de monter rapidement l'escalier, rentrer rapidement à l'épicerie, passer rapidement l'aspirateur. Mm-hmm. Donc, tout ce qui va avoir un impact à augmenter la fréquence cardiaque respiratoire, c'est déjà bénéfique. Donc, il faut y aller quand même assez simplement, garder à l'idée en fait que c'est tout compte. Et comme je disais tantôt, quand on apprend à se connaître, qu'on vise à améliorer les choses sur lesquelles on peut faire le plus gros gain en premier, il y en a beaucoup que ça va être le stress, l'anxiété, la qualité du sommeil. La qualité du sommeil impacte tellement la santé humaine, c'est épatant, là. En fait, c'est un des sujets dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis. Oui, puis là, il faut prendre en considération que les somnifères chimiques, ce n'est pas un sommeil profond et de qualité. Ce n'est pas ça, bien dormir. Bien dormir, c'est entre autres rêver. Les gens qui rêvent plus, souvent les gens qui vont regagner une bonne qualité du sommeil vont se remettre à rêver puis vont dire « Ah, ben gadon, j'avais pas, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. » Ben c'est cela, le sommeil de qualité. Les rêves sont un indicateur du sommeil profond, de la dernière phase du sommeil. Fait que le sommeil, juste te donner peut-être une statistique, marquer un petit peu les gens, là, les hommes, ça a été présenté, en fait, il y a déjà, je pense, 3 ans de ça maintenant, congrès européen de cardiologie en juillet. Les hommes de 50 ans qui dorment 5 ans et moins par nuit, ils ont des risques de faire une crise cardiaque puis d'en décéder qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne de la population pour les 20 prochaines années. C'est aussi important que fumer ou d'être diabétique.
Tu sais, quand tu dis que les problèmes de sommeil peuvent être aussi importants, en fait, que des problèmes de santé amenés par le fait de fumer ou d'être diabétique, c'est énorme l'impact que ça peut avoir. C'est toute la roue, parce que quand tu manques de sommeil, tu manges plus, tu as plus de goût de gras, de sel, de sucre, donc des affaires qui vont contribuer, qui vont affecter ton insuline aussi. Je sais qu'en coaching, moi, puis dans ma vie personnelle aussi, l'hygiène du sommeil, la routine du sommeil, c'est vraiment l'emphase est souvent mise là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire petit à petit pour regagner notre qualité de sommeil. Oh oui, en fait, moi, ce que j'explique souvent aussi, c'est qu'il faut s'attarder à ce à quoi sert le sommeil. Ça aide beaucoup à être capable de le rétablir. T'sais, le sommeil va servir, entre autres, à refaire le stock en neurotransmetteurs si on l'a épuisé. Ce qui est épuisant pour le cerveau, toutes les activités épuisantes, la gestion des émotions, donc toutes les activités sociales sont épuisantes pour le cerveau. C'est une autre facette en passant des habitudes de vie des centenaires, c'est que le fait d'être plus social, ça les aide à mieux dormir. Mais le fait d'apprendre... Okay. Le fait d'apprendre est exigeant pour le cerveau. On a besoin de dormir pour imprégner la mémoire. Les activités qui demandent beaucoup de coordination, c'est-à-dire toutes les activités physiques vont demander de la coordination. Quand on pédale sur un vélo, il faut garder à la fois l'équilibre, il faut pédaler, puis il faut tenir compte du champ de vision. La danse, le tennis, les jeux vidéo, donc toutes les activités qui demandent la coordination de plusieurs systèmes en même temps. Fait que plus on va être exigeant pour le cerveau dans notre vie quotidienne, plus ça va favoriser aussi un sommeil de qualité. Il y a des aspects dans le sommeil que, quand tu parles de l'hygiène du sommeil, c'est autre chose. C'est important aussi, mais bon, ça va être la température de la chambre, la question de la luminosité, en fait, s'assurer qu'il fait noir, faire attention aux animaux de compagnie, la routine qu'on va établir. Les écrans, fermer les écrans une heure, au moins une heure avant d'aller se coucher. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles à ça, là. Pas régler de problème 20 minutes avant d'aller dormir, c'est pas une bonne idée. La routine est extrêmement importante parce que plus on va vieillir, avancer en âge, plus on va perdre de la capacité d'adaptation. Si on veut faire simple, là, si je veux, les gens, ça réfère à quoi capacité d'adaptation? Quand on est jeune, on est capable de rentrer à 4 heures du matin, se relever à 7 heures, faire une journée de travail, puis se recoucher le soir à 10 heures, il n'y a pas de problème. Déjà, à mon âge, je ne suis capable de faire ça. Il faut que je me couche un matin à 4 heures du matin, me lever à 7 heures le lendemain, ça va prendre une semaine avant que je revienne à la normale. Il ne faut pas faire ça. La routine est importante, puis de garder toujours le même horaire, c'est important. Donc, on se lève à la même heure les fins de semaine, on se lève à la même heure quand on est en vacances, on garde la même horaire. C'est-tu faisable? Tu réussis à le faire, toi? Oui, quand même, je te dirais. Oui, quand même. C'est faisable. Puis... Tu parlais des facteurs. Si on essaie de donner des trucs faciles sur chacune des facettes, là, la question de la vie sociale, parler de vos émotions, là, je le dis à tout le monde, il va se passer quelque chose. Il y en a qui vont se sauver, laissez-les partir. Ceux-là qui vont rester, ça risque d'être des vrais amis. Puis dans la vie sociale, si vous n'avez pas de vie sociale, vous voulez en développer une, impliquez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur. C'est une bonne façon, parce que là, vous allez côtoyer des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est une bonne idée aussi. Là. C'est une belle façon d'y arriver. Là, on a parlé de la question du sommeil qui a un gros impact aussi sur le stress. Le stress est beaucoup impacté par la vie sociale. Hein. Puis le stress, moi, mon meilleur outil pour m'aider dans la gestion du stress, c'est l'activité physique intense. Et là, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça va de soi. J'ai fait un beau post sur ma page personnelle aujourd'hui. Pour parler. Moi, c'est le contraire. Ah oui? Si je veux faire l'activité physique intense, mon stress il va monter comme ça. Fait que j'ai besoin de mouvements très lents et de respirer. Ah, parce que habituellement, c'est parce que le stress va mobiliser de l'énergie habituellement. Puis si on ne la dépense pas, pour la majorité des gens, on va garder un état en fait, de stress. Mm-hmm. C'est que la majorité des gens, la dépensée, l'énergie qui a été mobilisée, va baisser tout simplement la pression. Mais encore là, dans le stress, probablement que le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est d'apprendre à se connaître. Le livre « Par amour du stress » de Sonia Lupin est un bijou pour ça, en fait. Ça aide à se connaître puis à prendre conscience aussi que quand on comprend mieux ce qui nous stresse, on est en mesure de mettre en place des processus de réflexion qui vont réduire l'impact de ce stress-là sur notre vie quotidienne. Fait que le stress a un impact important. L'alimentation n'est un, ça va de soi. Puis l'alimentation, dans les dernières années, on a fait un bond important au niveau du guide alimentaire canadien qui s'est beaucoup amélioré. Il est pas mal en ligne même avec les recommandations des populations centenaires. Moi, ce que je vous dirais habituellement, c'est d'essayer de le considérer tout le temps sur une base hebdomadaire.
et non pas sur une base journalière. C'est qu'on essaie de manger, la moitié de ce qu'on devrait manger devrait être des légumes en très grande partie avec un peu de fruits. Bon, ça va de soi. Puis dans l'autre moitié, on a la moitié, donc un quart de toute l'assiette qui devrait être constituée de grains entiers. On enlève tous les produits de sucre et de glucides raffinés. Donc, tout ce qui est de farine blanche, il n'y a rien qui est bon là-dedans, là, même que c'est mauvais pour la santé. On devrait considérer ça mauvais pour la santé, tout simplement. C'est un des secrets d'Okinawa. Les gens là-bas n'avaient jamais mangé de produits raffinés pour la plupart. Non. C'est vrai pour toutes les populations centenaires, en fait. Il n'y a personne qui en mange. Sauf que la majorité vont manger quand même des glucides, mais des glucides de, soit de grains entiers, donc soit que ça va venir de produits de grains entiers, ou soit ça va venir de produits comme de la patate douce. Mm-hmm. Il n'y a pas de patate ordinaire là-bas, mais il y a de la patate douce, par exemple. À Okinawa, ils ont même une patate particulière. Je ne sais pas, t'en as-tu mangé quand tu es allé? Oui, j'en ai mangé. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Ça va me revenir. Oui, j'en ai mangé. C'était bon. Ben, quand on va en Amérique du Sud, de ces patates-là, il y en a quelque chose comme 30 sortes, là. D'un peu de sortes de couleurs. Là. Elles autres, là-bas, yucca. Elle est mauve, je crois. Hein? Elle est mauve. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Que c'est, elle est très riche en nutriments. En fait, techniquement, c'est ça, c'est que dans l'alimentation, il faut porter attention à la richesse en nutriments et baisser l'apport en calories. Les gens d'Okinawa, parce que, faut le dire, là, Okinawa, le Japon a l'espérance de vie la plus élevée, tout type de pays confondus. Puis à Okinawa, on a une espérance de vie qui est de 3 à 5 % plus élevée que le Japon, de façon générale. Puis ça fait, c'est connu depuis très, très longtemps, en fait, ça fait que ça a été beaucoup étudié. Puis au niveau de l'alimentation, c'était fait Wilcox avait montré, entre autres, hein, c'est que l'alimentation quand on compare Okinawa avec le Japon, puis là, on compare avec le Japon. Avant 1950, on se rend compte, en fait, que les gens d'Okinawa mangeaient plus en quantité, mais plus faible en calories. Fait qu'ils mangeaient moins de calories par jour, malgré le fait qu'ils mangeaient plus en volume. Fait que c'est des aliments qui sont très nutritifs, mais plus faibles en calories. C'est intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique. On ne se prive pas, mais c'est juste que ce qu'on mange contient moins de calories, mais plus volumineux. Plus riche en nutriments. OK. En fait, ça avait été identifié en 1935. Là, le père de la restriction calorique, là, il s'appelle Clive McKay. C'est un Américain en 1935 qui a lui-même, écoute, je le cite dans des conférences, là, il a lui-même dit qu'il y aurait un grand avantage à développer des aliments plus riches en nutriments puis moins riches en calories qui augmenteraient la longévité humaine. Il a dit ça en 1935. Et aujourd'hui, ce qui limite la longévité de notre époque, qui est responsable, entre autres, de la baisse de l'espérance de vie qui est notée aux États-Unis, c'est le contraire. C'est des aliments riches en calories, très faibles en nutriments. Mmh. On fait exactement le contraire. Ça fait qu'en fait, il avait raison, on le donne en train de démontrer. Okay. Fait que dans l'alimentation, c'est surtout de garder ça en tête. Puis l'autre affaire, en fait, une affaire que les Japonais font beaucoup, c'est, pas le terme, c'est un terme de trois mots là, que je n'ai pas au bout de toute façon, mon japonais n'est pas bon, mais c'est de manger à 80% de la satiété. C'est que c'est des gens qui vont considérer, c'est sûr que dans la culture, hein, eux autres ont comme culture que ce qu'ils mangent va les garder en santé. Ça, c'est épatant déjà, là. Si vous voulez un bon effet placebo, c'est fort intéressant. Mais ce n'est pas juste ça, c'est que si tu es profondément convaincu que ce que tu manges va te garder en santé, probablement que tu ne vas pas manger souvent du fast-food, tu sais. Mm-hmm. C'est comme une question de mentalité, c'est une question de valeur, en fait, si on veut. C'est ça, ils vont de facto arrêter avant d'être pleinement rassasiés. C'est culturel, là. Ils considèrent que c'est normal de faire ça et que c'est bon pour la santé. Quand tu parles de restriction calorique, la raison pour laquelle on parle de restriction calorique, c'est que la démonstration qui a été faite par McKay à l'époque, c'est que si on baisse d'environ 25 à 30 l'apport calorique, c'était chez les rongeurs à l'époque que ça a été fait, mais après ça a été démontré dans tout le monde vivant, c'est vrai, tout le monde vivant. On baisse de 25 à 30 l'apport calorique. Chez les rongeurs, ils vont vivre 40 à 50 plus longtemps. C'est épatant, là. C'est un gros, gros impact. Wow. Puis, les animaux vivent mieux, sont moins malades, sont moins impactés des maladies associées au vieillissement, bon, blablabla. Puis, c'est sans baisser l'apport nutritionnel. Il faut faire attention, en fait, de ne pas causer de carence nutritionnelle. La meilleure façon de faire ça aujourd'hui, c'est probablement le jeûne. Je sais que ça t'intéresse, en fait, là, qu'on va pouvoir en parler, là. Mais c'est probablement le jeûne. Pourquoi, en fait? Parce que c'est difficile pour nous autres, surtout dans notre culture nord-américaine, avec l'abondance de nourriture,
d'essayer de s'arrêter à 80 % de la société, comment tu fais pour mettre ça en application? Tu sais, c'est pas trop évident. En tout cas, socialement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le contraire, on mange plus, nous, quand on est en société. Ah, c'est ça. C'est que le jeûne intermittent est une belle façon de le faire parce que de sauter des repas va faire en sorte que tu vas finir. On ne compense pas pleinement les repas qu'on a sautés. Ça, c'est clairement démontré. Au contraire, même souvent, même le jeûne intermittent va faire qu'on a moins faim au repas d'après dû au fait que le volume d'estomac a baissé. Fait que la satiété va être atteinte plus rapidement. Fait que normalement, on va manger moins. Fait que c'est probablement la meilleure façon d'y arriver. Il y a Manon qui demandait si on mange du, si les, à Okinawa, ils mangent du riz. Alors, la réponse est oui, ils mangent du riz, puis ils mangent souvent du riz à Okinawa. Éric, ça fait plusieurs fois que tu parles de la notion de se connaître, d'exprimer ses émotions, de. Donc, est-ce que dans les facteurs de longévité, tu inclurais une certaine intériorité, vie spirituelle intérieure, là, je ne sais pas trop comment la nommer, selon les expériences de chacun. Est-ce que à Okinawa, c'est très présent, mais ici, est-ce que tu penses que ça doit faire partie de notre santé? C'est quelque chose qui avait été souligné en fait par les Blue Zones, la présence d'une spiritualité qui peut être religieuse ou non. Puis quand on regarde les Japonais, moi j'attire beaucoup l'attention sur les Japonais, puis je réalise que ça, en fait, je l'ai mal décrit dans mon premier livre. Peut-être que je n'avais pas la finesse que j'ai aujourd'hui pour exprimer qu'est-ce que c'est au juste. Parce que c'est difficile, on entend parler de l'ikigai chez les Japonais, qui est le fait d'avoir une. Beaucoup de gens le décrivent comme étant le fait d'avoir une raison de vivre. C'est plus que ça. Les Japonais sont profondément convaincus que leur raison d'être sur la Terre va leur être dévoilée pendant leur vie. Puis là, ce que je vous dis là, c'est que ce ne sera pas une lumière divine là, qui va faire ta-da-da! Ça va être écrit dans le ciel. En fait, là, toi, tu vas être un avocat. C'est pas ça pendant tout. C'est le fait que par le développement personnel, ils vont finir par atteindre un niveau, un stade à lequel ils vont être en parfait accord avec leurs capacités, ce qu'ils veulent accomplir, puis ce que la société attend d'eux. Si nous autres mêmes, profondément, on était convaincus qu'un jour, on va arriver à cet équilibre-là, du lien entre qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce que la société attend de nous, on est doué pour faire quoi, dans le parfait équilibre qui va nous satisfaire, nous rendre heureux. T'imagines l'impact que ça peut avoir sur justement tout le côté spirituel d'une personne. Ça enlève un poids sur les épaules. On est convaincu que ça va nous arriver, qu'on va finir par être enligné. C'est sûr que oui, ils vont le chercher. Ils vont chercher le développement personnel dans le but d'atteindre cet équilibre-là en tant que tel. Mais ça, c'est une spiritualité japonaise. Les autres populations, il y en a que c'est religieux. La croyance, en fait, mais ils ont tous soit une croyance, soit une facette spirituelle de ce type-là, en fait, qui va les accompagner toute leur vie. C'est fort Donc, intéressant. c'est de vivre aligné sur nos valeurs, puis de déployer, contribuer à la mesure de notre potentiel. Oui, effectivement. En fait, moi, j'aime beaucoup la pensée de David Bowie, qui est décédé maintenant, en fait, avait fait un énoncé que je trouve fabuleux, qu'il l'exprime bien. David Bowie disait que le vieillissement est un processus fantastique durant lequel on devient la personne qu'on aurait toujours dû être. Oh, wow, c'est bien dit, c'est beau. Ouais, c'est bien dit. C'est la recherche de cette personne-là, c'est de marcher vers cette personne-là, cet équilibre-là, en fait, qu'on devrait avant tout essayer de s'en faire un objectif. Mais oui, je crois que c'est très important, effectivement. OK. On en a parlé, tu en as parlé brièvement tantôt, mais j'aimerais ça que tu développes un peu sur le respect de la vieillesse. C'est comme tu sais, de se faire mettre à la retraite, de s'en aller. Tu sais. Être vieux, vieillir, c'est pas une maladie. C'est comme. Mais ici, le regard qu'on pose sur la vieillesse avec un souhait de jeunesse éternelle et de tout ça, c'est comme. Le regard que porte la société sur le vieillissement, ça peut nous affecter, non? Ah oui, je pense que c'est le premier frein à vieillir sainement, quelque part. C'est toute la conception qu'on se fait. T'sais, souvent, je parle de longévité, puis il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je ne veux pas vivre centenaire. Regardez nos CHSLD. Ouch, ça fait mal.
En fait, c'est que faut savoir que les gens comme toi, là, je t'ai parlé de mon arrière-grand-mère. On va prendre un exemple pour expliquer la différence que ça peut faire avant tout. Puis après ça, on reviendra à la notion de l'acceptabilité de la société, de la vision, en fait, des seniors. Tu sais, mon arrière-grand-mère, à l'époque, l'anecdote que je t'ai contée, avait 86 ans. Elle restait seule dans sa maison jusqu'à 92 ans. Elle nous a demandé elle-même à 92 ans de l'amener dans une résidence pour personnes âgées. Puis là, elle a commencé à dépérir, à ralentir jusqu'à 98. À 98, elle nous a demandé elle-même de l'apporter à l'hôpital parce qu'elle ne filait pas. Elle n'avait jamais dormi une nuit à l'hôpital, malgré le fait qu'elle avait eu, quoi, c'est 8, 9 enfants, je ne suis pas certain. Elle n'avait jamais dormi une nuit à l'hôpital, elle n'a jamais été hospitalisée de sa vie. Puis en rentrant à l'hôpital, le médecin, il a fait venir toute la famille, puis il a dit, ouais, c'est ça, faites venir toute la famille, elle ne sortira jamais. Il a dit, j'ai jamais vu ça, il n'y a plus rien qui marche. Puis 2 semaines après, elle est décédée. Puis moi, je me rappelle de voir l'arrière-grand-mère sur son lit qui disait j'ai eu une très, très bonne vie. Merci d'être là. Je suis très fier de vous autres. Mon temps est venu, je suis fatigué. Puis une nuit, elle s'est endormie, qu'elle ne s'est pas réveillée. Fait que, ce que je veux amener là, tout simplement, à l'attention, là, c'est que c'est possible de bien vieillir, justement, puis de profiter vraiment de la vie très, très longtemps, de ne pas nécessairement être impacté très longtemps des maladies associées au vieillissement. On voudrait tout que ça se passe comme ça. En fait, dans les populations centenaires, les gens qui vieillissent bien, c'est comme ça qu'ils vieillissent, là. C'est ça qui arrive pour la majorité des gens. Il y en a beaucoup, là, que c'est en nombre de semaines qui comptent le temps, justement, qui ont été malades. Ce n'est pas en nombre de mois ou d'années. C'est épatant, là. Fait que Oui. ça, c'est une chose d'un côté sur la perception qu'on a de qu'est-ce que c'est que bien vieillir, tu sais, qu'est-ce que c'est que profiter de la vie le plus longtemps possible. Au niveau de la société, c'est sûr que, bon, les gens des populations centenaires, quand on regarde Okinawa, les gens les plus âgés sont vénérés pratiquement, sont considérés comme des sages du village. C'est des gens à qui on va référer, à qui on va aller demander leur opinion, à qui on va avoir un très, très grand respect. On va les célébrer, on va les fêter. C'est du monde qu'on va avoir en adoration. Ces gens-là, ils adorent les seniors, les centenaires. Oui, il faut qu'ils pratiquent l'adoration d'ancêtres, donc Oui, c'est ça. Puis ils vont. Oui, c'est ça. D'un point de vue spirituel, même, ils vont même comme questionner le centenaire. Et bon, en tout cas. Puis bon, on voit ça dans beaucoup d'autres populations, des populations qui vivent très longtemps. Ils vont garder aussi les personnes âgées avec eux dans la famille. Hein. Ils vont s'en occuper. Ils vont les impliquer dans la société, comme tu as expliqué tout à l'heure aussi. Ta dame de 104 ans qui allait au marché, son esprit à elle, c'est qu'elle voulait rester utile. Avait besoin d'être utile pour sa communauté. C'était sa raison. C'était sa raison de vivre à tous les jours. Elle se levait pour ça, finalement, parce qu'elle allait travailler au marché. C'est qu'il faut, comme société, on devrait essayer de développer ça, de garder ça. C'est un objectif qu'on devrait se donner en tant que tel. Moi, j'en suis convaincu, là. On devrait essayer de le rétablir. Actuellement, c'est pas ça partout au Québec, là. Je veux dire, il y en a de l'âgiste, beaucoup à part de ça. La majorité des gens de 65 ans qui veulent continuer à travailler puis rester dans le marché, ils peuvent même pas. Ils sont plus capables de se trouver un emploi en tant que tel, à cause des jugements qui sont faits, en fait, en pensant qu'ils vont être moins efficaces, moins performants, moins ci, moins ça. Mais pourtant, c'est des gens qui sont probablement beaucoup plus sages, qui ont beaucoup de choses à apporter, qui ne sont pas nécessairement moins efficaces à part de ça. Oui, non, ils ont l'expérience. Ils n'ont pas de jeunes enfants à prendre soin à la maison. Il y a beaucoup d'avantages qui viennent avec. Il y a l'âgisme extérieur, celui qui est projeté par la société puis comment on traite les vieux, mais il y a l'âgisme intérieur aussi, tu sais, de soi-même se dire, oh, je ne peux plus faire ça, je suis rendu à 60 ans. Tu sais, c'est comme bon, l'un est le reflet de l'autre et l'autre est le reflet de l'un. Là, je sais que ça va ensemble, mais le regard, ce que j'essaie de dire, c'est que ça commence par nous, le regard qu'on porte sur nous. Oh oui, puis tu as raison, je l'entends des fois, j'entends des gens des fois de 55 ans qui me disent rendu à mon âge, blablabla. Moi, quand j'ai l'occasion, je les arrête, je dis hey, attends un petit peu. Commence pas ça à 55 ans, rendu à mon âge, là. Hey, wow, efface-moi ça de ton vocabulaire. Je veux dire, c'est vrai que c'est. Mais ça fait. Mais probablement que dans les populations centenaires, j'en parlais tantôt, c'est une question de personnalité. Les gens, on n'entendra pas ça. Ils ne vont pas dire rendu à mon âge, blablabla. Ou encore, ce qu'on va entendre va être plutôt frappant. Moi, je me rappelle Robert, comment il s'appelle, un cycliste français. Il est mort pendant la pandémie, malheureusement. Il battait encore des records de cyclisme à 105 ans, parce qu'il n'y a personne qui s'est rendu à cet âge-là aussi performant que lui. Je l'ai présenté dans mon deuxième livre, je crois. Et maintenant, il y a déjà un journaliste.
Quand on dépasse 100 ans, il faut savoir se contrôler, il ne faut pas essayer de dépasser nos limites. C'est un gars de 105 ans qui est en train de parler à un journaliste qui fait plus que 30 km par jour en vélo. OK, t'es pas pire, toi. En effet. Hey, Eric, il nous reste moins de 5 minutes. On commence par où, là? Mettons qu'on nous écoute, toi et deux, ce soir, puis que les gens ont envie de se prendre en main, de faire un petit pas. Comment on commence? Parce que de vouloir tout changer d'un coup, ça ne marche pas. Alors, comment le premier petit pas, c'est quoi? Ah, bien, comme je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre à se connaître puis de focusser sur la facette qu'on peut faire les plus gros gains. Fait que c'est sûr que pour moi, en fait, là, si... le plus tôt possible d'essayer de développer la personnalité des gens centenaires, c'est extrêmement important. Ça va de soi. Le fait d'être fondamentalement positif, d'être ricaneur, d'être relativement extraverti, une grande capacité à parler de nos émotions. Je travaille encore là-dessus. Hein. La majorité des hommes, c'est pas trop évident de parler de nos émotions. Non, ben, je pense qu'on va travailler là-dessus. Moi aussi, je suis une femme, puis je travaille encore là-dessus pas mal, travailler sur les émotions. Dans les autres facteurs, tu sais, ça, c'est mon facteur facilitant. Hein. La question de la personnalité, le fait d'être fondamentalement positif. Les autres facteurs, l'alimentation, l'activité physique, la saine gestion du stress, de l'anxiété, j'ai inclus la qualité du sommeil, puis la qualité de la vie sociale. Je considère que c'est la qualité de la vie sociale qui est le facteur le plus important sur les quatre. Okay. C'est sûr que si vous voulez commencer par lui, que moi je considère le plus important, à moins que vous ayez déjà une vie sociale de qualité, c'est pas donné à tout le monde, c'est par là que vous devriez commencer, d'avoir vraiment des bons amis, puis d'entretenir vos amis. Vous savez, Dr. Lambert, qui est décédé aussi pendant la pandémie, le médecin avec qui j'ai écrit le deuxième puis le troisième livre, Dr. Lambert disait que pour avoir de bons amis, il faut avant tout en être un. Mm-hmm. C'est vrai, c'est bien dit. Il m'a appris énormément de choses. Dr. Lambert, à tous les matins, quand il se levait, il se disait lui-même, aujourd'hui, je vais être heureux. Il y a beaucoup d'éléments faciles à essayer de développer au niveau de la pensée. Mais la qualité de la vie sociale, c'est moi, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il y a une nouvelle extraordinaire là. Quand je vous dis que c'est la vie sociale, qui a probablement un plus gros impact sur la longévité humaine, c'est que c'est une décision personnelle, la vie sociale. Je veux dire, tout le monde est capable de développer une vie sociale de qualité. On est tous capables d'y arriver. Il y en a pour qui ça va être plus difficile que les autres, mais il suffit d'y accorder du temps. Il suffit, puis c'est de s'accorder du temps à nous-mêmes aussi, en passant. Souvent, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que j'ai changé au cours des dernières années ou comment, tu sais, la gestion de mon horaire. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est bon, qui a un horaire. Je suis impliqué dans vraiment beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses au fil de l'année. Sauf que je vais m'obliger, en fait, je vais m'obliger, le terme n'est pas bon. Je vais me permettre de prendre du temps, de discuter avec des amis fréquemment, tout le temps. Fait que tout au long de la semaine, en fait, avec des amis, je vais prendre le téléphone, on va avoir une discussion. Puis souvent, c'est des gens, même avec des collaborateurs, des scientifiques, on va parler des sujets qui nous fascinent. Mais on va prendre le temps de parler de nous autres aussi par la même occasion. Je vais donner du temps quand même à de la vie sociale de qualité, mais je vais inviter des amis à la maison. Je vais y mettre du temps. Je trouve ça extrêmement important. Fait que c'est sûr que mon premier conseil pour tout le monde, ça serait celui-là. Ça va de soi, en fait. Puis les autres facettes que je vous ai nommées, bien, pensez à comment les mettre en application tout le temps, d'en faire en fait une routine journalière. Mais je te disais tout à l'heure, on va faire un pas de plus cet automne avec les conférences que je fais habituellement. On va aller jusqu'à conseiller, un peu comme tu fais dans ta pratique en coaching, sur les gens, sur comment changer leurs habitudes de vie. Bien, en tant que tel, c'est qu'il faut que tu établisses des routines dans lesquelles tu impliques en fait ces habitudes de vie-là. Si vous voulez que ça devienne une réalité, comme par exemple le jeûne, on n'a pas parlé de la question du jeûne, non? Un truc que moi j'ai, parce que c'est je fais du ce qu'on appelle one meal a day en anglais, un repas par jour, je vais manger juste au souper. Mais pour sauter le dîner, c'est probablement le plus difficile, non? Je vais m'entraîner pour couper la journée en deux. Pour deux raisons. Parce que l'entraînement à jeun a des impacts santé encore plus bénéfiques. Trois raisons, je dirais. Ça aide à sauter le réflexe de conditionnement qu'on a, que ça nous tente de manger le midi en tant que tel. Puis ça coupe ma journée en deux, mais c'est que j'aime ça faire ça. C'est que ça me plaît de faire ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai inclus dans ma routine qui, pour moi, c'est facile à faire. J'ai le goût de le faire. J'arrive à midi et j'ai le goût de m'entraîner. Tu sais. C'est ça qu'il faut que ça devienne. Au bout de la ligne, les habitudes de vie, il faut que ça devienne une routine. Il faut qu'on inclue ça dans notre façon de vivre, la routine quotidienne. On ne se pose plus de questions, on le fait. Et c'est vraiment important de trouver une routine qui nous convient à nous. Toi, tu parles de ce qui te convient, un one meal a day. Moi, par exemple, je suis le genre de métaboliste où je dois manger mes trois repas, puis j'ai essayé plein d'affaires
et je me sens beaucoup mieux quand je mange mes trois repas que quand j'en saute. Fait que, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de one size fits all. Là. C'est, non, non, c'est ça sûr. Revient encore une fois de se connaître, d'expérimenter. On fait des essais, on fait des erreurs. Ça, ça marche, ça, c'est le fun. Puis, ben, il y a un temps pour chaque chose aussi. Tu sais, on est dans un pays où il fait très froid l'hiver. Fait que l'hiver puis l'été, on ne vit pas de la même façon souvent. Fait que, tu sais, il y a plusieurs facteurs. Puis ça revient à ce que tu dis, d'apprendre à se connaître. Oui, apprendre à se connaître, puis considérer que la santé, c'est une façon de voyager et non pas un objectif à atteindre. Ah, c'est bien dit. Oui, puis on devrait penser en termes d'optimisation de la santé aussi. La santé, c'est pas l'absence. En fait, la maladie n'est pas causée par une carence en médicaments. Dans l'autre sens, quand la santé aussi, c'est pas juste l'absence de carence. On peut optimiser la santé. On peut être plus que juste se maintenir en vie. OK. oui, effectivement, c'est bien dit. Puis c'est super personnel. La santé de quelqu'un, ça ne ressemble pas à la santé de quelqu'un d'autre. Éric, en terminant, pour les gens, pour mes auditrices, auditeurs de podcast, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, comment est-ce qu'on peut te trouver? Ah, c'est assez facile. Écoute, j'ai même un site Internet à mon nom. Fait que même ceux qui seraient intéressés par les recherches sur la longévité, il y a même des articles scientifiques qui sont proposés. C'est esimard.com, esimard.com. Et vous avez aussi là les conférences aussi, hein, qui sont là habituellement. J'aurais aimé présenter la programmation d'automne, mais on n'est pas prêt. Mais il en reste une conférence mardi prochain. On va parler de la maladie de Lyme avec un médecin québécois qui est spécialisé dans le domaine de la maladie de Lyme. Qui est docteur des hôtels, vraiment une grosse pointure. Oui, oui, qui est une collaboratrice au blog de Vitalie aussi. En fait, ça va être vraiment très, très intéressant. De l'autre côté, bon, on a bien sûr les réseaux sociaux. Sachez que c'est moi qui réponds sur les réseaux sociaux. J'ai une équipe de communication qui m'accompagne pour toutes les facettes dans quoi je m'implique, mais c'est moi qui réponds personnellement, à la fois au courriel et à la fois aux réseaux sociaux. C'est que Éric Simard, Priorité bien vieillir, ma page Facebook sur Internet. Vous pouvez suivre ma page personnelle aussi, vous allez voir autre chose. Qui est comme un peu plus de ma vie de tous les jours, mon état d'esprit. Ce matin, j'ai parlé d'un sujet fascinant sur la considération qu'on a des fois on n'est pas fait pour ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, en fait. As-tu vu, Eugénie, ce post-là? C'était intéressant. Parce que moi-même, je raconte, en fait, que quand j'étais jeune, je gelais à faire des conférences, parler devant les gens. J'étais timide, en fait. Je venais moite. À l'époque, j'aurais pu me dire que je n'étais pas fait pour ça. T'sais. Pour un gars aujourd'hui qui va faire entre 50 et 75 conférences par année. What? faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se mettre des limites, nous autres-mêmes, à penser qu'on n'est pas fait pour quelque chose. Ceci étant dit, c'est ma page Éric Simard Perso. Vous allez me trouver facilement aussi. Là. Vous allez voir autre chose. Je vais mettre tous les liens, de toute façon, sur mon podcast. Je vais mettre tous les liens en bas. Hey, un grand merci, Éric, d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir offert ta plateforme pour pouvoir échanger puis se laisser inspirer par tes belles paroles sur la longévité. Merci. Bien, c'est un plaisir. En fait, merci de ton temps, en fait, Eugénie. Puis de la même façon, en passant, parce que, bon, je le répète, t'es coach santé. Tu peux peut-être nous en glisser un petit mot sur la façon dont tu vois. Un coach santé, c'est quelqu'un qui va accompagner les gens à améliorer, optimiser leur santé, justement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ton rôle, là. C'est mon rôle. Moi, 95% de ma job, c'est d'aider les gens à mettre en place de saines habitudes de vie qui vont perdurer. Pas quelque chose qu'on va faire 5 minutes. Donc, je travaille avec, j'invite le client à visualiser dans sa version optimale de la santé. Et à partir de là, semaine après semaine, de faire des petits changements, de mettre en place toutes les habitudes que tu as nommées, là, exercice, sommeil, repos, stress, etc. Fait que j'accompagne les gens pour mettre en place des saines habitudes de vie pour justement retrouver de la jeunesse, retrouver de la vitalité, retrouver de l'élan, se retrouver soi, finalement. Fait que c'est ça mon travail de coach, puis c'est pas mal le fun. En fait, reprendre la responsabilité de notre santé en main. Exactement. On n'en a pas parlé ce soir, mais c'est un défaut, en fait, de la culture nord-américaine. C'est que, puis c'est encore pire au Québec, parce qu'étant donné, ou au Canada, parce que le système de santé étant gratuit, on a tendance à remettre la responsabilité de notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais pourtant, c'est notre responsabilité à nous, c'est pas le système. Non, c'est notre responsabilité. On a besoin d'aide pour le faire, là, puis ça, c'est bien d'aller demander de l'aide. Puis ce que tu as dit tantôt, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Moi, c'est ça mon rôle de coach. Peu importe l'état dans lequel la personne arrive, il y a toujours un petit quelque chose qu'on peut faire pour aller mieux, pour retrouver de l'espoir. Fait que c'est quand même important. Oui,
Oui, effectivement, c'est extrêmement important. Ouais. Fantastique. Ouais, merci. Merci beaucoup, ça a été génial. Oui. C'est que j'espère qu'on aura l'occasion aussi au cours des prochains mois même de refaire quelque chose ensemble. Avec plaisir, je suis disponible, je suis là, toute présente. Alors, merci encore de l'invitation. À bientôt, c'est que bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous. Oui, bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir. Bye.